Dis-moi, papa, jusqu'où va la lumière du soleil? Et les étoiles, elles seront toujours là? Oui, mon fils, elles seront toujours avec toi. Moi, j'ai peur du noir, papa. Reste avec moi. Ne t'inquiète pas, mon fils. Papa va explorer les étoiles. Mais papa, elles sont trop loin, les étoiles. Non, mon fils. Moins loin que tu ne le penses. Tu crois, papa? Oui, mon fils. Les étoiles sont comme toi. Juste devant moi. Alors, mon fils, ne sois pas triste. Papa part pour quelque chose de grand. Pour quelque chose qui marquera le temps. Papa part, mais il regardera de là-haut tes petits yeux. Il te regardera, toi, et ces milliards d'humains qui constituent la Grande Bleue. Il part pour explorer l'espace, cette infinie grandeur. Monter en altitude, tu sais, permet parfois de prendre de la hauteur. Il part pour connaître l'espace, ce qu'on appelle parfois le néant. Mais rassure-toi, mon fils, il ne sera pas seul. Lui et les milliers d'éléments. Après tout, l'espace n'est-il pas ce lieu de l'âme des enfants? N'est-il pas ce lieu de l'innocence? Par son silence et de l'humble homme, devant le plus grand? Alors, mon fils, ne sois pas triste. Comme toujours, papa reviendra. Comme toujours, la vie continuera. Tu sais, l'espace, les hommes, la nature, toutes ces choses bien déraisonnables qui dépassent notre mesure. Ce voyage nous devance, tu sais. Mars, la belle rouge, son ocre brun et ses volcans du divin. Alors tu reviendras vite, papa? Bien sûr, mon bonhomme. Et tu auras mal, papa? Non, mon fils. La vraie douleur, c'est quand on aime. Tu diras bonjour aux étoiles pour moi? Oui, mon fils. Mais les vraies étoiles, tu sais, ce sont celles qui font briller tes yeux. Et la découverte des terres lointaines. Cherche encore notre raison d'être. Cherche encore nos vies humaines. Et pourquoi? Pourquoi faire tout cela? Ne suffit-il pas de vivre et de contempler ce qui est là, à la portée de nos bras? Pourquoi aller plus loin? Pourquoi vouloir dépasser ce qui est de l'humain? Les grands arbres de nos forêts, ces grands chênes au bord des chemins. Pour la grandeur de l'homme, bien sûr, et sa supériorité. Mais quelle grandeur de l'homme sinon cette humilité de l'humanité? Et après tout, pourquoi ne pas faire confiance? Pourquoi ne pas se vendre à notre imaginaire, à la persévérance? La volonté du savoir encore. Destin de l'homme, bien sûr. Les fusées dans le ciel à la grâce de Mercure. Les petits pas de l'homme et les grands bonds de l'humanité. Nos astronautes dans l'au-delà et nos héros des voies lactées. Du satellite lunaire à la planète Mars et sa poussière d'or. Des aurores boréales d'Islande aux étoiles filantes du Grand Nord. Les grandes expéditions, la contemplation du ciel, et ces hommes fascinés, ces enfants émerveillés par l'éternel. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Pour combien de temps encore? De la grande ours aux grandes constellations, regorge les trésors. Mais pourquoi tu vas si loin, papa? Je ne suis pas si loin, mon fils. Je suis tout près, au-dessus de toi, juste là. En souvenir de cette année 69 et du grand génie humain. Par-delà la nature et les éléments. Puisque ce voyage, notre destin. Voulions découvrir l'au-delà, reconnaître l'immensité des corps,
nous voulions découvrir ses essences, l'espace, et plus loin encore. Man.